Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Summer in Mara Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Un marteau. Mm.
Bonjour là, Sébi, j'espère que tu ne regardes pas tout seul. Ah, il faut de l'argent, zut. Tout ce qu'il te faut, je vais réparer le nouveau moule pour l'argile, la fonte de métal, et le collier sera réparé en un bâtiment de cible. Qui vous a appris à travailler ici? Ah, je suis la fille de forgeron, mes parents m'ont tout appris. Est-ce qu'ils sont forts et orange comme vous? Non, ce sont mes parents. Dans eux qui m'ont transmis cette forge. Oh, je vois. Comment sont tes parents? Je n'en ai pas. Oh, pardon. Ce n'est pas grave, j'ai été élevé par ma yaya. Est-ce que c'est important d'avoir des parents? Le collier est prêt. Déjà, je l'ai réparé pendant qu'on discutait. Je ne vous ai même pas vu bouger. C'est très rapide. Bon, j'ai le collier. Kaji est aussi doué que il était ses parents à propos des parents. Que savez-vous de la cour? Je me doutais que tu finirais par me poser la question. La mamie était, eh bien, quelqu'un de très spécial pour moi. Elle était aussi ma capitaine, le capitaine de la marine de Mara. D'ailleurs, la marine a quasiment disparu. Cela fait bien longtemps qu'elle n'est plus vraiment utile. Toutefois, autrefois, c'était une institution grandiose. Nous appartenions à une flotte de marins. Nous explorions, nous nous entraidions et nous combattions les pirates. Il arrivait que nous traversions des moments difficiles. Il a perdu ce collier en me sauvant. Un jour, notre navire a fait naufrage. J'étais pilote de notre équipage, avait percuté quelque chose qui n'aurait pas dû. Accusé d'inquiéter de ne pas me voir et de plonger dans l'eau. Apparemment, j'avais perdu connaissance lorsqu'elle m'a sauvé. Pourquoi m'a-t-elle jamais parlé de sa vie dans la marine? J'imagine qu'elle ne voulait pas te protéger. Tu étais encore très jeune, ce n'est pas vrai. C'est vous qui êtes persuadé que je suis trop jeune. Tu as raison. Il est bien la petite de la cour. Tu as une mission à remplir. Tu as prouvé que tu étais gentille et honnête comme ta mamie, et aussi courageuse et audacieuse. Elle m'a écrit il y a quelques années. Elle m'a dit qu'une fille viendrait me voir un jour. Cette fille, c'est toi. Toutefois, tu vas devoir t'entraîner durement. Peut-être que dans le futur, tu pourrais te le donner. Je ne veux rien. J'aime voyager, le sable chaud et manger. Rien d'autre. Toi, je sais que les choses sont compliquées. Écoute-moi. Non. Vous êtes comme Yaya. Vous passez votre temps à me dire quoi faire. Et à me dire que je dois être une gentille fille. Calme-toi, petite. Ne m'appelez pas petite. Je ne suis pas une petite. Je suis une pido, un être humain, un pirate. Et je ne suis pas une petite. Très bien, comme tu veux. Je veux m'en aller. J'ai des choses à faire. Tout va bien, tu les gens t'aimeront.
Un rouge que vous voulez. Quoi? Et hey, quoi? Quoi? Eh, n'écris pas. D'accord, d'accord. Tu veux bien me rendre service, quoi? Tu veux bien apporter ce bouquet de fleurs à Erwan? Je ne veux plus prendre part de vos blagues. Je ne sais pas, une promis. Mais où est-ce que vous avez eu ça? Je l'ai fait. C'est génial. Il plaît discrètement, d'accord? Promis. Qu'est-ce qui se passe? Mon casque audio est cassé et je ne peux plus écouter de musique. Je peux l'apporter à Akaji pour qu'elle le répare. Akaji, j'en sais. Il y a son sujet dans mon journal. C'est sans doute une jeune femme. Oui, c'est mon amie. Elle est très gentille. D'accord, voyons si elle en sort avec ça. Oh, allez, ne viens pas m'embêter. Qu'y a-t-il? J'ai besoin de produits frais pour le buvette. Je m'en fais pousser. Qu'est-ce que vous pourrez planter en premier? Pourquoi pas des poivrons? Je peux vous en apporter des graines. Bonne idée. Oh. Et mon enfant, il n'y a pas que ça. Bon. On va à Kaji maintenant. Je vais voir si je peux pêcher le poisson. Il me restera à pêcher. Voilà. On va ça après. Est-ce que je peux vous demander un service?
Vous apportez un casque de dioc assez voyant, ça devrait pas être compliqué, réparer, il suffit de mettre des deux fils ensemble, détacher, eh oui, merci beaucoup. Il est à toi. Non, c'est celui d'Anzo. Un chaman très gentil, j'ai l'impression que tu dis ça à propos de tout le monde, parce que c'est vrai. Comment se passe l'étage, peut-être? Je sais pas si tu parles. Où est-elle passée? Elle est où, Akopo? Peut-être qu'elle est allée au temple chercher du carburant. Cherche Napopo dans le temple abandonné de Wallis. C'est apporté dans le casque d'Io, il fonctionne. Oui, merci beaucoup, Koa. Ne me reste pas à remercier Akagi. Je vais m'inscrire son nom dans mon journal. Akagi, la réparatrice. Elle a des cheveux de feu, des bras énormes. Koa sera comme elle quand elle sera plus grande. J'ai vraiment envie de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Dans mon journal, il est inscrit que TK prépare des nouilles excellentes. Et je lui ai demandé, et il a décidé qu'il était longtemps de ne plus en préparer. Ah, il est têtu ce taka, j'imagine que ça pourrait jamais goûter ses nouilles. Je peux essayer de lui parler, j'aimerais le goûter aussi. Popo, te voilà. Yes, on m'appelle Bleu. Mais ce n'est pas mon nom spirituel. J'ai eu une conversation très intéressante avec Napopo. Vous lui avez parlé, Napopo m'a dit qu'elle t'a trouvé et que tu es Koa, sa meilleure amie. Ouais, comment connaissez-vous mon nom? Et tu dis? Ah oui, je vais lui en parler. Je devrais aller prendre hommage aux fontaines de Mara. Il s'agit de la sève spirituelle de Mara. Vous avez parlé des fontaines de carburant, ce n'est pas un simple carburant, le Mala est une source de vie. Maintenant que vous le dites, je n'ai pas été très respectueux, je suis contenté d'en prendre sans jamais rien donner en échange. On sort très bien, pas si bien que ça. Sans mal, normal, nous avons tous besoin de nous mettre en colère parfois, la colère est un sentiment nécessaire. Tu ne peux pas porter le poids de l'océan sur tes épaules. Comment? Va rendre hommage à la fontaine. Apporte-lui des fruits et des légumes, des meilleures laitues.
Et elle me racontait toujours des histoires des gardiens de Mara. Mara n'est que l'océan, ce n'est pas assez important. Toutefois, je pensais que la même chose des fontaines. Et elle semble importante pour ces gens. Les Mara dégagent une énergie particulière. L'ami a poussé le bouchon trop loin en parlant de responsabilité. Elle parle comme Maya, comme Yaya. Vous devrez peut-être l'écouter. Tout le monde semble avoir besoin d'aide ici. Ils devraient tous s'aider entre eux et me laisser tranquille. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris la peine de quitter mon île. Ah, tu veux bien m'apporter quelque chose, s'il te plaît? Qu'est-ce que il faut? J'aimerais du papier. Une feuille suffira. Bonjour, es-tu perdu? Pas du tout. Quelle étrange petite fille. Ici? Oui, plus ou moins, c'est bien. Où sont tes parents? Ils sont plus là. Oh non. Pourrais-je faire passer un message à ton tuteur ou la personne qui t'a en charge, si vous voulez? Je m'appelle Finn Shen, je viens d'une terre très lointaine, le nom de Dava. Nous sommes à la recherche de beaux lieux dans le Mara que nous pourrions acheter. Si ton père ou ta tuteur a une petite maison ou un champ, vous seriez intéressé de l'acheter. Eh bien, j'ai une île. Vraiment? Comment est-ce possible? Elle est petite, mais je l'aime bien. Tu pourrais me donner son adresse? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Combien en voudrais-tu? Je ne veux rien. C'est mon île. Mais nous avons beaucoup d'argent. Tu pourrais faire ce que tu veux avec cet argent, comme acheter un manoir, une piscine. Ça ne m'intéresse pas. Personne ne rejette les élites. Tu finiras par trouver ton île, quoi qu'il en coûte. Je ne crois pas. Aucun habitant de cette planète n'a de la valeur. Vous ne possédez que vos petits bateaux et vos petites maisons. Je ne sais pas ce que le baron pense tirer de ces eaux minables. On devrait réduire cette planète ensemble. Faites attention à ce que vous dites, ou je répéterai à Sammy. Est-ce une menace? Ah, j'ai hâte de quitter cet endroit pour de bon. On se reverra, non, mon vœu. Qu'est-ce qu'elle est désagréable? Je vais en parler à Sammy. Et je vais lui apporter un goûter pour qu'elle me pardonne. Comment cela a-tu pu arriver? Nos stations sont parfaites.
Encore fatigué. Miluki Québec, salut, ça va bien? Miluki Québec, plutôt.
D'accord, vous voulez bien préparer un plat de nouilles, s'il vous plaît? Impossible, comment ça? C'est un plat qui fait de m'en mettre, il me force à le préparer. Pour m'en rappeler une autre. Si vous ne voulez pas m'en préparer, pas même un souvenir de bon vieux temps, je le ferai. Peut-être si tu m'apportes des ingrédients, mon maître ouvrait sa taverne tous les soirs. Les clients lui apportaient les ingrédients, il leur préparait ce qu'il voulait. C'est toujours des gens bizarres qui devenaient. Quel projet familial, je vous apporterai tout ce dont vous avez besoin. La farine. Voilà tout ce que vous avez demandé, merci beaucoup. C'est parti, je vais préparer une salade d'Ankora. Demain, il y a la pluie et les bases de légumes frais. Tu as porté quoi? Awan m'avait demandé des légumes, donc il fait encore de la salade. Je vais vous aider, chef. Je sais pour ça de la part de une des dames du marché. On ne dit plus rien, d'accord. Il te faut de la maillot, je la prenne. C'est sans doute de la part de Philly. Elle est vraiment adorable. Je vois. Tiens, apporte-lui ses fraises. Il y en a beaucoup. Mais fais ça discrètement, d'accord. Vas-tu, qu'y a-t-il? Il m'a donné des fraises. Là là, qu'y a-t-il? Non, ce n'est rien. Vous êtes bizarres tous les deux. Thank you.
Je vous ai apporté, mais à quoi ça va vous servir? J'aimerais faire un petit bateau. Ça faisait des esprits, les fait flotter sur l'océan, étant regardé à partir de loin. Je croyais que vous vouliez écrire une lettre. Je n'ai pas besoin de lettre. Il existe d'autres moyens de communication, je vois. Tiens, voilà un petit bateau pour toi. Super, merci. Donc c'était tout pour le live du caribou canadien pour le jeu Summer in Mara. Oh yeah!